Donc moi je suis MC, VIKAS mon blaze. J'ai commencé le rap avec Hazard dans le groupe Locos, on était 4. Après moi j'ai vite commencé à faire des petits trucs solo et tout de mon côté. Bientôt là il y a une étape qui va arriver pour courant 2010, septembre, décembre. Et c'est mon premier projet solo, je travaille vraiment à fond dessus. Il va y avoir pas mal de beaux invités, de bons trucs et tout. Donc voilà, quoi, ça fait depuis un an que je rappe officiellement, tu vois, avec eux dans le groupe Locos, avec eux que j'ai commencé, que lui il rappe déjà depuis longtemps. Bon bah comme il a dit, Hazard, tranquille. Je viens de Bruxelles comme lui. Ça fait 5-6 ans que je rappe, mais au début je faisais pas de texte, j'ai que de l'improvisation. Tu sais quoi, je mettrais un instru old school, je délirais avec les potes, on était bien pété. Enfin voilà, tu sais bien. Je sais pas, c'est venu automatiquement, y a pas vraiment de... J'ai kiffé, voilà, j'ai commencé à délirer, je lâchais de l'ego trip. Comme tous les types de 15 piges qui commencent à rapper, voilà, je dis des conneries sur un beat, voilà. Après ça devient un peu plus sérieux, je prends ça plus à cœur, je commence à écrire mes premiers textes et tout, je rencontre des gens. Voilà, c'est au fur et à mesure, c'est le destin, c'est la vie qui fait que c'est le hasard des choses. Double hasard. Moi j'ai toujours écouté du rap. Depuis tout petit, d'abord un peu de rap belge avec Starflame et tout, vraiment les classiques. Après du rap français et tout, mais en général j'ai toujours été dans la musique. Moi-même je joue du piano, mon père est musicien, mais toute ma famille on est tous un peu dans la musique. Donc ça c'est un avantage quand même pas à négliger. Le principal c'est 100% du rap, 24h sur 24 j'ai du rap, que ce soit à la radio, n'importe où, tout le temps du rap. Après sinon moi j'aime bien aussi tout ce qui est jazz et tout, tous genres de musique qui vont un peu ensemble, niveau reggae ou quoi, c'est tous des trucs qui ont un peu la même optique. Donc voilà, des musiques parfois un peu révolutionnaires ou quoi, mais tout de suite avec la poésie ou quoi, l'écriture. Donc voilà quoi. Moi j'essaie d'écouter tout, j'écoute aussi bien du rap que des trucs alternatifs, du trip-hop, du funk, du blues. En même temps, j'ai la famille qui est là, genre mon père il a des milliers de vinyles, donc d'office j'étais bercé là-dedans. La bonne chanson française, il y en a très peu, je te parle pas du type de maintenant, quoi, à l'ancienne. Peut-être que les anciens auraient aimé que ça arrive plus tôt. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, comme on dit, donc faut un temps à tout. Je trouve que c'est bien, t'as des types comme Royaume Rap, les gars d'Elite Fuite qui sont dans la photo, t'as Oumam qui se décarcasse, il te fait des trucs terribles au magasin 4 et tout, il t'organise des affiches de dingue, t'as les arts urbains, voilà, moi les premiers trucs que j'ai été c'était... C'est Battle MC où j'ai connu des MC belges comme ça aussi, honnêtement, et eux se sont fait connaître comme ça. Mais au moins il y a des gens qui se bougent et ça fait plaisir, donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Après on verra bien comment ça se passe, mais c'est sur une bonne voie en tout cas, j'ai l'impression pour le moment. Moi je rappe depuis un an et j'ai eu direct des occasions, des freestyles, comme des enregistrements ou quoi ici. Parce qu'il faut se dire qu'après enregistrer en studio et tout, c'est pas forcément pratique, ça coûte cher. Les vidéos et tout, il n'y a pas le matos, il faut quand même un minimum de technique et tout, il y a un savoir-faire, un professionnalisme. Après ici il y a des types, c'est tout bénef pour nous, tu vois, et pour le rap belge aussi. Tu vois. Donc voilà quoi, je crois que c'est dans l'esprit actuel par rapport au rap, il y a de plus en plus de connexions et tout. Voilà, il y a du potentiel en Belgique maintenant et voilà quoi. Continuer à saisir les occasions. Ouais, donc moi là comme j'ai dit, toujours la NETEP qui va sortir courant 2010, septembre, décembre, dans ce créneau là. Pour le Skyrock c'est vik-locos.skyrock.com. Donc voilà, il y aura du neuf, des freestyle vidéos qui vont sortir là. C'est moi aussi qu'il y a pas mal de trucs qui vont sortir pour annoncer la NETEP, pas mal de gros featuring et tout. Donc voilà quoi, restez captés.